Salut les riders. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai invité Johnny, qui est le représentant de la marque Esquad. Il va nous parler un petit peu donc justement de la marque Esquad. Exactement. C'est l'occasion que vous compreniez un petit peu mieux la gamme et puis un petit peu les évolutions aussi qu'il y a eu dans la marque Esquad depuis sa création. C'est ça, 2005. Date de création, marque française, sous le créateur qui s'appelle Pierre-Henri Servagent, qui a tout simplement souhaité, étant amoureux des jeans et de la moto, et à l'époque il n'y avait rien sur le marché concrètement de protection et surtout en tout cas de styler un peu. Voilà. Un jean vraiment, un jean vraiment looké, qui soit protecteur pour le motard. Voilà, étant amoureux beaucoup du look et du jean en général, donc il a tout simplement, il s'est renseigné, donc il a trouver une technologie particulière qui est l'armalith, donc une fibre armée, et donc de là, après la création de ce tissu qui est donc l'armalith que tout le monde, beaucoup de gens connaissent, a créé ce fameux jean, et donc toute une gamme qui a été pendant pas mal d'années où Esquad était uniquement fait en armalite. Ils souhaitaient faire des jeans premium de qualité, mais un petit peu cher. C'est vrai que c'était des produits, comme c'était les premières conceptions, ça valait en prix de vente plus de 300 €, sans protection. Du moins, c'était une option. Qui était en plus assez rigide à l'époque. Qui était, alors les protections et surtout le tissu qui était la première génération, c'est vrai, de ce fameux tissu qui était assez épais, assez raide, mais qui protégeait très bien. Parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui tournent encore où on voit des vidéos à plus de 100 km/h. Et moi j'ai toujours ça en tête, c'est l'image du Hummer qui est suspendu par un jean Esquad. Et effectivement, les cascades, c'était Pierre Julien, non? C'est ça, de la famille Julienne en tout cas qui faisait ça. Il y en a eu quelques-unes, je te dis, qui tournent encore et que tu peux voir l'efficacité, dont lui aussi, de mémoire. Il s'était laissé traîner aussi. Carrément. Ouais, il s'était laissé traîner aussi. Donc voilà. Donc après quelques années, il y a eu un changement de main. Pour tout dire, donc toujours dans une filiale, donc une marque française en tout cas, et donc qui a été repris à partir de 2010, pardon. Et ce qui s'est avéré, c'est que il fallait, le nouveau boss a eu le nez en voyant la concurrence aussi, qu'il fallait aussi avoir une gamme qui est à moins de 200 €. Tout simplement, mais en conservant cette qualité, cette image que Esquad a voulu faire pour le style et la sécurité. C'est l'apparition du KevCore. Voilà. Exactement. Donc la particularité du KevCore, c'est pas donc le fameux bouquet thermique qu'on a sur un jean en le retournant, chose que je vais vous montrer tout à l'heure, et normalement fait uniquement de Kevlar. Et quand vous l'enfilez, surtout éventuellement quand il fait chaud, on peut avoir ce désagrément du Kevlar sur la peau, pas très agréable, je pense. Moi j'ai des souvenirs, mais avec les premiers jeans, je sais plus, je les ai achetés en Angleterre, c'est des premiers jeans Kevlar que j'avais trouvés pour le site. On était, mais on crevait de chaud parce que c'était complet, quoi. Cette espèce de bouclier jaune, qui n'était pas très agréable. Le toucher, il est un petit peu rêche et ça peut même faire des allergies limite. Donc ça, c'était assez. Voilà. Donc la particularité, donc par rapport à ça, si je peux me permettre, Michel, c'était pour bien expliquer en tout cas aux internautes, c'est que ils ont, en gardant cette structure, donc vraiment cette qualité, je peux me permettre de le retourner? Vas-y, je t'en prie, au contraire, je pense. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là, on est sur une nouveauté, hein, donc aussi, qui est toute complète en termes de modèle, de fitting et de confort. Et donc, j'aime bien la couleur. Ouais, le bleu un peu vieilli, très sympa, très mode. Alors c'est très calé aussi au niveau mode, hein, parce que le but vraiment, c'est qu'on puisse le porter tous les jours. Ça, c'est super important, c'est qu'on n'ait pas l'obligation de se déshabiller le matin, de le remettre le soir, donc de pouvoir le garder. Les protections aussi, je fais une petite parenthèse si je peux me permettre, sur la nouvelle génération de protection, donc bien sûr d'un niveau 1, mais qui les passe allègrement et qu'on ait quelque chose de tout mou. Ah oui, effectivement, c'est très donc très agréable, et une fois porté, le jean dedans, on les voit quasiment pas. Donc on peut très bien les garder aussi la journée, en sachant que il y a toujours, ça a toujours été chez Esquad, au niveau de la poche, donc de genou, il y a une possibilité d'avoir 3 positions aussi pour la morphologie de chacun. C'est vrai que ça a bien évolué, les protections, parce que moi je me souviens quand même des premières protections, même chez Esquad. Ils étaient à l'époque. En sastec qui était super rigide. Et en fait, au final, on portait le jean, mais on ne mettait pas les protections. Ouais, c'est vrai que souvent, au niveau des genoux, même des hanches, on devait les enlever, donc on perdait un petit peu de cette sécurité. Allez, le KevCore. Donc, on est sur... Hop là, je retourne la bête. Et donc, vous allez voir. Donc, je vais te tenir. Hop, merci, c'est gentil. Je fais l'assistant. J'ai l'habitude de faire l'assistant. Donc, alors si tu peux me permettre juste de le retourner, on va commencer par le fessier. Oui, voilà. La partie souvent, quand on tombe, on arrive souvent, on finit souvent sa course là-dessus. Donc, on a fameux ce bouclier thermique. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne voit pas du tout justement la fibre technique qui est en dessous, donc le KevCore. Si on le retourne, on peut le voir. On se rend compte que c'est pas du jaune flashy Kevlar 100%. Comme à l'époque. Voilà. Donc, la particularité KevCore, je répète, c'est KevCore pour Kevlar Cordura. Donc, dans le concept, au niveau du tissage, on va avoir un fil de Kevlar pour un fil de Cordura, et ce qui va augmenter la résistance voilà, à l'abrasion et l'échauffement, aussi très important. Donc voilà, et en plus, c'était les premiers donc à faire surtout cet enveloppement d'un petit tissu qui va permettre d'avoir cette fraîcheur et ce toucher confort, moelleux. C'était quoi le terme technique que tu as sorti tout à l'heure? Pop Line. Voilà. Donc voilà, donc on va se retrouver avec toute cette protection, donc tout sur le niveau du fessier et de devant. Voilà, si tu peux me permettre. Je te rends. Mon assistante. Donc on va avoir aussi les poches pour les protections au niveau des hanches, donc qui sont amovibles bien sûr lorsqu'on va le laver, mettre en machine. Et on va avoir toute cette protection qui va aussi être avantageuse par rapport à une époque où on avait ce fameux décroché, on pouvait avoir cette partie haute de cuisse qui était démunie de ce bouclier thermique. Voilà. Ouais. Et on se retrouve avec les poches donc à l'intérieur. Que Michel, tu pourras peut-être faire voir après, c'est les fameuses poches où on voit cette pour caler les genouillères pardon, sur 3 positions. Ce que je voulais dire, c'est que c'était réglable en fait. Ouais, réglable, exactement. On se retrouve aussi avec la tâche au niveau donc, de la chaussure pour éviter que la jambe remonte tout simplement. Oui, puis c'est pas mal parce qu'en général, quand on s'assoit sur la moto, ça a toujours tendance à remonter. C'est ça. Alors justement, en parlant de ça, si je peux me permettre, en remontant sur la moto, l'avantage de toute la gamme, je ne sais plus si on l'a précisé, le fameux stretch, donc le fameux power stretch, donc de toute la gamme qui a été revisitée, même sur des produits existants, on va dire depuis 2 ans, ils ont été renouvelés, parce que je crois que tu avais un jean, je crois, Esquad. Hein. Ah oui, bon, pour la petite histoire, donc j'avais un Triptor, oui, donc, qui continue, qui faisait partie de la gamme en KevCore, oui, mais qui n'avait pas de stretch. Alors c'était un bon jean, mais effectivement, voilà, c'était quand même relativement rigide. Un peu plus raide, oui. Voilà. Et pour avoir essayé récemment un Triptor nouvelle génération avec du stretch, voilà, on se retrouve vraiment dans un jean très, très actuel, très prêt à porter. On est bien dedans. Et puis bon, le Triptor, il a quand même une coupe assez droite. Donc, oui, exactement. Donc il va à beaucoup de monde, il va à beaucoup de motards par rapport à d'autres modèles sympas. Tu vas nous montrer qu'ils sont un peu plus. Oui, voilà, un peu plus filé. Ah non, il n'est pas loin. Non, il est juste là. Alors, non, il est là. Hop, je suis désolé. Ah, c'est les joies de. Hein, c'est les joies du lac. Comment je fais? Je le tiens. Tu as aussi perdu ta bonnette. Oui, j'ai tout perdu. Qui va être. Mais je n'irai pas jusque là. Allez, bon. Non, non, mais récupère là. Voilà. Désolé. Voilà. Assistante, s'il vous plaît. Oui. Voilà, merci Michel. Alors donc. Ça fera partie du bêtisier des face à face au X-Tem Show. Un jour. Donc, je remets ça donc. Hop, on va le remettre à l'endroit et donc on peut découvrir sur cette gamme, donc cette version-là qui est toute nouvelle, on est sur la gamme avec la coupe Slim Fit et grâce justement à ce fameux... Oh là, c'est pas très bien mis ça. Hop. C'est la protection qui s'est retournée. Allez, je me dépêche. Et donc, on va avoir cette particularité sur cette gamme-là, Slim, c'est de vraiment avoir ce fameux nouveau Power Stretch qui se détend énormément, ouais, et on a une aisance complète pour tous les jours, même si lorsqu'on va monter sur le véhicule, tout simplement, on n'aura pas de résistance. On a un toucher vraiment qui a été très travaillé au niveau du coton aussi, pour avoir ce confort, ce côté moelleux. Et donc, il est décliné sous 4 couleurs. Donc, ce fameux bleu, il y aura un gris, il y aura, comment dire, un bleu griffé, et il y aura donc un blue résine plus tendance avec les coutures blanches, voilà, d'actualité, pas mal. Et de ce fait, toute la gamme elle est déclinée aussi toujours avec un modèle, un pendant femme. Donc cette fois-ci, tu l'as devant toi, c'est le fameux Mehdi. On se retrouve avec les mêmes caractéristiques, bien sûr, mais pour une coupe femme, tout simplement. Où là, il y aura une particularité, c'est qu'il y aura une couleur en plus, qui est un bleu délavé, et il y aura un gris, comme celui qui est présenté par Michel. Ok. Donc, ça, donc voilà pour la gamme, la toute nouvelle gamme. Ça, donc c'était la gamme KevCore. La gamme KevCore, exactement, du modèle Sand pour l'homme et Mehdi pour femme. Alors, je sais qu'il y a une autre gamme. Oui. Si on en a parlé. Alors, j'ai l'info. Voilà, la nouveauté. Je suis pistonné. Et donc, cette matière, c'est le Dyneema. C'est le Dyneema. Voilà. Donc, on va dire que c'est une sorte d'évolution du produit qui était connu de l'Armalith. C'est que là, on va passer cette fois-ci à la gamme. On va retrouver le code génétique d'Esquad, qui est vraiment la sécurité absolue de tout le tissu. C'est-à-dire que là, on va se retrouver. On oublie le côté doublure KevCore. On va avoir cette fois-ci, si on veut une sécurité optimale, on va avoir, je vais aller à l'essentiel directement, je vais le retourner, oui. On va se retrouver avec, on appelle ça un tissu monocouche. C'est que vous allez vous retrouver avec le tissu Dyneema, qui est dans la même particularité que le fameux Armalith à l'époque, la fibre armée, avec ce coton, mais cette fois-ci beaucoup plus fin, donc plus léger même que le KevCore, donc beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, beaucoup plus respirant même pour l'été, puisqu'on n'aura pas de doublure. Effectivement. Ouais. Donc là, on n'a plus le bouclier thermique. Pas du tout. Par contre, on a la même résistance. On a même plus la résistance parce qu'on est à 40% de plus même de résistance de la fibre elle-même. Est-ce qu'on peut dire qu'on est proche de l'Armalith? Ah oui, on va dire qu'on est très très proche et on est beaucoup plus souple même. En vrai, c'est vraiment ce confort-là qui a été étudié. Pour ceux qui ont connu et qui ont eu les anciens, et je sais qu'il y en a qui le portent encore, mais ce côté un peu plus raide et aussi la teinture aussi qui pouvait aussi un peu passer, on aura plus ces choses-là sur cette nouvelle génération de Dyneema. Donc vraiment, je précise bien sur le côté où là, on se retrouve avec toute la jambe, tout le produit sera en protection optimale. Donc on est sur le tissu le plus résistant au monde. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement tout le corps est couvert, du moins toute la partie basse est couverte. Exactement. Alors que sur tout à l'heure, ce qu'on a vu sur les KevCore, c'est qu'il y avait uniquement les zones fessiers, oui, et l'avant des cuisses finalement, oh, jusqu'au genou. C'est ça. Et là, vous allez vous retrouver intégralement protégé sur la surface complète. Je précise que bien sûr, dans les deux cas, les coutures sont bien sûr toujours aussi renforcées. Parce que c'est important, c'est lors de la chute, c'est du premier impact, le premier contact avec le sol, c'est que là, si les coutures pètent, le tissu va être le plus résistant. Ça s'appuie à grand chose. Donc ça a toujours fait ses preuves. On se retrouve devant, donc quand même, pour les poches, même pour mettre ses clés ou autres, et les poches des protections, donc ça on aura quand même ce petit tissu-là, mais on n'aura pas cette épaisseur de KevCore, je précise bien, donc on a vraiment ce côté qui est très léger de la même manière. Là, on voit apparaître les protections. Alors la particularité sur le fameux Dyneema, c'est que justement aussi, c'est qu'on a deux choses. On a le rajout du stretch qu'on a pu faire, donc on n'a pas ce côté raideur. Et le gros avantage, c'est le tarif. Tout simplement, Michel, c'est qu'à l'époque, comme on disait tout à l'heure, on était à plus de 300 €. Voilà, plus de 300 € sans les protections. Et là, on va se retrouver avec toute la gamme maintenant, avec les mêmes protections, qui à la base, ces nouvelles protections étaient issues pour le Smith, c'est le nom du modèle. On les retrouve dans toute la gamme. Et donc, en tarification, pardon, je me suis un peu égaré, on est à 249 € pour le Smith qui est une coupe régulière, et on va avoir la version plus Rider cette fois-ci qui sera à 299 €. Excellent. Voilà, donc ça nous fait finalement un KevCore entrée de gamme. 129 € à 179 €. Et ensuite? Et après on passe à 249 jusqu'à 299 € éventuellement. Et donc c'est exactement ce tissu-là qu'on peut voir. Voilà, on a voulu, on appelle ça un tier-me justement, bon, tier-me, et donc on peut y aller vraiment beaucoup. Michel, il a beaucoup de force, il a pété son micro, et donc on peut vraiment y aller à deux avec, voilà, on peut même tout simplement, okay. Si vous le déchirez, Esquad vous offre un jean, voilà c'est dit. J'ai retrouvé mon micro. Décidément, il était jaloux, il voulait faire comme moi. Ce face à face. Et très musclé. Bon, très bien. Et au niveau donc de l'Armalith, parce qu'il y a quand même toujours des amateurs d'Armalith parmi, oui, les clients, ça existe toujours. Pierre-Henri Servagent, donc le créateur, revient. Tu auras peut-être l'occasion, j'espère pour toi, de pouvoir le faire une interview. J'espère aussi. Voilà, donc il a créé un nouvel Armalith, on va dire, et surtout une marque donc qui s'appelle Bollister. C'est ça. Bon, j'espère que si Pierre-Henri Servagent, ouais, nous entend, c'est ça, qu'il n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse venir, pour qu'il puisse venir nous présenter sa nouvelle gamme. Bien sûr. Donc voilà pour les produits, et donc je te dirais pour terminer, si je peux me permettre d'aller jusqu'au bout, au niveau de la... Merci à toi. La présentation de la gamme, c'est qu'on a aussi, bah, on n'a pas que pour la gamme, la fameuse gamme, la nouvelle gamme en tout cas Slim, qui correspond aussi à peut-être une certaine clientèle, une certaine morphologie. On va avoir aussi pour, je dirais, la clientèle autre, les anciens, les en tout cas les coupes plutôt classiques. Je parle pas de toi, Michel. Et... J'allais dire nous, mais non en fait non. C'est ça. Donc on va avoir une coupe régulière, hein, type voilà 501. On va avoir le fameux, comment dire, Milo. Voilà, le produit aussi qui était existant l'année dernière, mais avec ce fameux Power Stretch et ses nouvelles protections, et surtout un nouveau tarif. Voilà, parce que pour ceux qui l'ont connu éventuellement, il a perdu 10 €. On va se retrouver à ce qui est beaucoup. C'est toujours ça de prix. Ce qui est bien, exactement. Donc on va se retrouver sur une gamme à 159 €. Donc 10 € de moins que éventuellement le Sand. Et on, voilà. Et ton fameux Triptor, justement, a aussi perdu 10 €. Et donc, il est passé maintenant à 149 €. Bon, vu que je n'ai pas déchiré, j'ai pas réussi à déchirer le Dyneema, bon, il va falloir que j'investisse alors. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci Johnny pour toutes ces explications sur la marque Esquad. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous comprenez un peu mieux la gamme et puis les évolutions en tout cas de la marque. Ouais, très important, voilà. Voilà. Et on se retrouvera bientôt pour un nouveau face-à-face avec une nouvelle marque. Bon, je n'ai pas encore défini qui était invité, mais bon, ça sera la surprise comme d'habitude. À très bientôt les riders, merci de nous avoir suivis. Salut tout le monde, ciao.